Salut YouTube. Oula. On va éviter de sortir notre... hein. Voilà, bonjour, bienvenue sur la suite de Andorra, le mode de Skyrim, comme d'habitude. On se retrouve du coup pour la suite, on a fait le chemin jusqu'à la taverne et on va chercher Jesper, pour lui demander un petit peu, bah... Mais non, il est pas là, Jesper. Est-ce que vous avez vu mon pote? Il est grand, il a les cheveux gris et il a un blush coat. Ah, le mec joli. Il était là hier, toute la nuit, avec un noble man, un homme noble. Alors, Batred, je sais pas ce que ça veut dire. Je pense qu'il était un peu bourré, non? Apparemment, il est parti avec lui. Il me dit, est-ce que vous êtes ensemble? Bah, on travaille ensemble, en fait. Je vois. En fait, tout le monde pense que je couche avec Tony, mais ça se passe comment, en fait? A courier brought it along a few hours ago. J'ai pas écouté ce qu'il a dit. Come back. Alors, je suis paquet, plus of paper, droit of wood. Ok. Ok, alors apparemment il y a un truc à Arc, un truc un peu au nord et un truc au sud. Mais alors, comment je suis censé trouver ça, quoi? On pouvait à l'époque, si tu peux toujours changer le couleur de ton pseudo, faut cliquer sur ton pseudo je crois et tu peux changer la couleur. Alors attendez, parce que là j'ai pas compris ce qu'il fallait que je fasse. Nanana. Alors il était pas là, ok, Jesper était pas là. The innkeeper gave me a casket for Jesper with a market map inside, I should investigate those place. Ok, donc il faut bien que je regarde un peu ce qui se passe, par contre j'ai aucune idée de... Parce que Arc c'est bien joli, mais en fait c'est un peu au nord d'Arc. Je vais sortir de Arc, je pense qu'il faut que je sorte de Arc. Ça va pas être dans Arc. Je vais sortir et je vais regarder un petit peu. Je crois que j'ai des marqueurs en plus. Je crois que j'ai des marqueurs sur la map, donc c'est pratique. Donc j'espère qu'il n'était pas là. Apparemment il a passé la nuit hier avec un noble. Et je sais pas s'il serait parti ou s'il était bourré ou quoi, je ne sais pas. J'ai pas trop compris, mais il aurait laissé une carte. Enfin, il m'aurait laissé une carte avec des indications, je ne sais pas trop. Je ne sais pas. Voilà. Je ne sais pas. Ah, Skyrim a cessé de fonctionner. Mais oui, c'est évident. Ah, mais oui, Skyrim a cessé de fonctionner, ta mère. Putain. Je peux pas bien t'aider, une arrivage, je connais pas le jeu. T'inquiète pas. Non, mais je pense que c'est... Alors par contre, du coup, il faut juste que je refasse la ligne de dialogue parce que on va juste reprendre la sauvegarde de là où j'ai commencé l'épisode sur YouTube. Non, mais je pense que c'est juste au nord d'Arc, genre là où il y a les poneys et tout, là où je volais toujours le truc là. Par contre, j'ai aucune idée de ce que je cherche. Est-ce que je cherche un coffre? Est-ce que je cherche un mec? Est-ce que je cherche un truc? Je sais pas. Je ne sais pas. Alors, on est bien, oui, mon ami, il est parti. Ouais, blablabla. Hop, voilà. Hop, ça marche. Et là, on veut pas que ça bug, s'il vous plaît. J'ai tellement soulevé Skyrim à une époque. Moi, ça a toujours. Enfin, je pense que Skyrim, ça sera un jeu. Ça fait partie des jeux. Sur lesquels je pourrais toujours jouer en fait. Enfin, je pourrais toujours jouer à Skyrim tout le temps. Genre, je peux arrêter de jouer, mais j'y reviendrai toujours. Ça fait partie de ces jeux-là, du coup, c'est cool. J'aime bien. Par contre, si tu pouvais ne plus bugger, s'il te plaît, ça serait vraiment cool. Ouais, ça, c'est. Ça change pas par contre. Hein. Skyrim, c'est toujours comme ça. Ah! Ouais, apparemment j'ai des marqueurs donc c'est bien. Du coup, je suis pas vraiment à chercher. J'ai des marqueurs sur la map. Et ben, on va les suivre. Bon, déjà, il faut que je sorte d'Arc. J'arrive à sortir d'Arc assez rapidement. Je sais pas vers où ce marqueur il mène. Non, je pense que c'est celui qui va au sud. Faut bien, on peut faire sud, nord et ensuite Arc. Parce que je suis sûr à 2000% qu'après il va falloir re-rentrer à Arc. Comme on passe notre vie dans cette putain de capitale. Ça, c'est un truc de fou. Hein. Au début d'Anderal, tu sais pas trop où t'es dans une vieille ville de merde.
Pardon. Mais alors à partir du moment où tu vas à Ark, tu n'y sors plus quoi. Tu ne vas plus rien découvrir d'autre. Bon après j'ai fait très peu de. J'ai fait très peu de quêtes secondaires et tout, donc ça explique peut-être le fait que je me suis pas. Que je me suis pas. Que j'ai pas découvert d'autres trucs en fait. Par contre. Alors je vais regarder la map là parce que là. Ok. Je vais aller là-bas. D'accord, je vais aller là-bas. Attends, me dis pas qu'il y a un truc au temple du soleil. Ah non, c'est bon. Bon, il y a un truc qui est vraiment dans Ark. Il est où le premier? First Hint, il est ici. Donc je vais vers le premier en premier. Oui, d'accord. Prévu un petit Zelda 2D. Et bah, à la fin de TP. À la fin de TP, on refera une petite pause sur les Zelda. Mais de toute façon, Zelda, c'est une série que je ferai. Enfin, je les ferai pas tous, évidemment. Mais Zelda 2D prévu, oui, j'aimerais bien. J'ai beaucoup aimé quand on a joué à Minish Cap, c'était vraiment cool. Après le problème c'est que là on va arriver sur des Zelda que je n'ai sur lesquels je n'ai jamais joué en fait. Et bon c'est pas une mauvaise chose hein, mais c'est juste que du coup je risque d'avoir encore plus de mal. Mais oui c'est je pense c'est prévu peut-être un Zelda sur Game Boy ça serait cool. Franchement un Zelda sur Game Boy ça serait cool je pense. Mais Game Boy classique la première. Parce que je crois que sur Game Yes. Boy Advance. Il y avait. Enfin que Game Boy Advance SP, il y avait que. Il y avait que TP. Il y avait que. Pardon. Merde, j'ai oublié son nom. Minish Cap. Merci. Merci moi-même. Par contre là je comprends pas ce que je dois aller sur le pont. Mais bon bref, on va y aller comme ça, à la sauvage. Wouh! Maintenant niveau 8. Et ouais. De retour avec une pipe de Tarzan. Vous avez une pipe de Tarzan sur mon live, mais donc. Ah cool ça va je les connais assez bien. Ok bah c'est bien, tant mieux. Tant mieux pour moi. J'aurais de l'aide. Ah alors attendez, là il y a un indice apparemment. Il doit être là. Ah il y a une porte là. Oh, c'est marrant ça. Ça c'est cool. Tu as la Wii U? Si oui, comptes-tu faire le prochain Zelda? Alors non je n'ai pas la Wii U. Mais je pense. Enfin on pense avec Marjo prendre la Nintendo Switch. Je pense. Surtout que. Apparemment, je sais pas si t'as vu Marjo. La Nintendo Switch elle serait à 250 euros apparemment. La Nintendo Switch elle serait à 250 euros apparemment. Bah, elle D'après fera ce que j'ai rien, vu. hein, c'est pas possible. Hein. Hein? Ouais, c'est bizarre. Hein. Mais bon, on n'y est pas encore, on verra. Puis en plus, ça doit être trop relou à streamer, à mon ami. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Note du corps. Enfin, note du corps. Ça va pas se réveiller cette connerie. Ok, alors qu'est-ce que c'est? It's cruelly unrelenting. Harabi, I, Captain Yao, Hora, confess my sins. Alors, moi, Capitaine Ya, nul Ori, je vais confesser mes péchés. Voilà. Je vais me confesser, quoi, tout simplement. Depuis des décennies, j'ai capturé des femmes et des hommes dans tous les continents de Vine. Je les ai vendus au plus offrant. 462 hommes, 561 femmes et 210 enfants. Tous me doivent une vie d'esclave. Je ne me souviens pas de leur nom. Maintenant est venu le temps de ma punition. Et je suis grateful, je sais pas comment on traduit ça déjà, j'ai oublié. Reconnaissant. Pour le verdict que le juge va me donner, je sais pas quoi. Je vais me crucifier au-dessus d'un bain d'acide. Et je vais laisser les bulles brûler la peau de mon corps. Personne n'entendra mes pleurs et ma mort sera une mort seule. Bah dis donc, c'est Ah joyeux. ouais, c'est super joyeux. No more and less than I deserve. Alors, dans une autre écriture, du coup, pas lui, pour mes frères d'armes. Ah! Un truc à trous. Un truc à trous. Ok. C'est bizarre ça. Donc, d'accord. Donc, à mon avis, il faut pas que je mette le pied là-dedans, non? Ok, moi je suis immunisé contre ça, je m'en bats les couilles. Est-ce que je peux prendre l'or? Ou il va y avoir une malédiction, une connerie comme ça, non? Je prends alors, hein. Bon,
Très bien. C'est chelou hein, quand même, hein. On est d'accord, c'est chelou. Donc apparemment ici c'était donc un capitaine qui est venu se réfugier ici pour expier ses fautes. Voilà. Et il s'est infligé un bain d'acide. Ah, pas vraiment un bain d'acide d'ailleurs, il s'est pas plongé dans l'acide, il s'est crucifié au-dessus. Et il a attendu que les bulles d'acide lui brûlent la peau. Donc ça c'est plutôt extrême je trouve comme... Non j'ai pas le temps machin. Un truc à trou, une fille. Jav, franchement, t'as pas honte à ton âge de faire ce genre de blague. La misogynie. Faut pas que je rentre dans Ark, surtout pas. Yes. Oui. Ah oui d'accord, en fait je suis obligé de rentrer dans Ark si je passe par là. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai sauté en fait. C'est de la daube. C'est de la daube. Mais ça. Jav va t'enterrer. Bon, je vais passer par là du coup. Donc là, je vais aller au deuxième indice qui est celui qui est en haut, je crois. Non, ça c'est le troisième. Donc le deuxième est dans Ark. Je sais pas si le deuxième est dans Ark ou sur les bords en fait. J'arrive pas à savoir. Parce que pour moi, il n'est pas dans Ark. Il doit être sur les bords de Ark. Mais alors où et comment l'atteindre, ça c'est une autre histoire. Mais on va trouver. On va trouver. À la limite, je sais ce qu'il faudrait que je fasse. Attendez. Juste que je me recale là. Putain, franchement, mais en fait, Skyrim, c'est de la spéléo. Tant d'amour juste pour moi. Quoi, mon âge, je suis un enfant. C'est vrai. C'est vrai que 22 ans, c'est pas trop vieux. Ça va. Alors, attends. On va faire map. Est-ce que ça marche si je fais L? Oui, incroyable. Sauf que ça m'apporte que dalle. Ça m'apporte que dalle. Non, mais je crois que c'est. Bah non, parce que j'ai aucun. Enfin. Le truc me dit pas de rentrer dans Ark, donc ça doit être une porte qui est à côté, j'ai pas un accès. J'aimerais bien que le jour se lève aussi, ce serait bien. Mais Ark, c'est pas le même jeu. Mais ça... Oui, je sors là, j'ai fait la blague. Ah bah dis donc, la capitale elle a le même jeu que le jeu, et même le nom que le jeu. Alors là, il y a des dinosaures. Ah là là. Ah là là. Ça y est, c'est parti sur faire des love check sur le chat. C'est bien ça. Vous êtes mignon. Faites donc ça. Ah, il est là la deuxième porte. Donc je pense qu'il faut que je rentre dans Ark. Putain, il faut que je rentre dans Ark. Putain, relou. J'en peux plus de cette ville. Je vous jure, j'en peux plus. Je viens d'avoir 200. C'est à me confondre avec toi. 20. Ah, le lapsus. Jav a donc 200 ans. Jav a donc 200 ans. Et donc. Eh ben dis donc. Putain, ça me saoule. Pourquoi je suis obligé de retourner dans cette ville? Je vous jure, je commence à en avoir marre. Le pire, c'est que j'ai même pas tout regardé, quoi. Enfin, j'ai même pas tout vu dans cette ville. J'ai même pas. Je suis pas rentré dans toutes les maisons. J'ai même pas regardé tout ce qu'elle avait à offrir, mais j'en ai déjà marre. Bon, apparemment, c'est juste là qu'il faut que je regarde. J'aurais pu y être tout à l'heure. Ok. Une sorte de puits, enfin une sorte d'accès souterrain. Je crois qu'il y a un peu plus vu que 200 déjà. C'est vrai que 200 c'est assez jeune quand même. Je mange pas une tablette de chocolat, je mange des Mars. C'est vrai. Cimetière cimetière de papier ouvert de non, Mars. Je viens de tout enlever. Hein ? Je viens de tout enlever. Je sais. Oh putain, j'étais pas prêt. Attendez, ça fait au moins 10 épisodes que j'ai pas convaincu. Que j'ai pas combattu, pardon, convaincu. Alors, excusez-moi, mais j'étais pas prêt à me battre des machins. Ah, j'ai gagné un niveau! Waouh! Justement, tout à l'heure, je disais, ah, c'est longtemps que j'ai gagné un niveau là. Ouais! Merci. What? Je sais pas ce qu'il a sauté là, mais c'était ouf. Oh! Une vraie arme! Une nouvelle arme! Une nouvelle arme utile! Oh mon dieu! Une nouvelle arme utile! Ah non, c'est une arme à deux mains, c'est de la merde! C'est de la merde. La chose. Non, oui, c'est la. Alors moi j'adore les armes à deux mains, sauf que là j'ai pas du tout monté mon perso pour qu'il puisse avoir des armes à deux mains. Et que vu le bordel
de la difficulté des fois de ce jeu, je préfère avoir un bouclier. Hein? Bon. Ça, je l'ai déjà. C'est de la merde. Vite! Memory point. J'ai brain le game. Ah oui, parce que si tu fais un love check entre toi et toi, c'est sûr que t'as toujours 99,9%. Désolé de ruiner tes espoirs et tes rêves. Iron Wheel. Je ne sais pas ce qu'on peut monter. Ça, c'est des armes à deux mains, justement. Je vais pas monter. Attaquer un objet de bloc. Ça, c'est de la daube aussi. C'est de la daube, mais je suis obligé de le prendre si je veux continuer à. Je vais prendre ça. Ça augmente mon armure légère, c'est bien. C'est la vie. C'est la vie. T'as brisé mon rêve de devenir prétentieux. Love check, l'amour de ma vie. Ça n'a pas marché. J'étais go à love check. Ça. Allez go. Allons fouiller cet endroit. Cherchons les indices. Une pelle. En voilà un bon indice, la pelle. La sainte pelle. J'ai trouvé la pelle. J'ai trouvé... Ah putain, j'ai trouvé des rats aussi apparemment. Bon, viens là. Oh putain. Oh. Putain, il est... A... Quoi? Quoi? Putain, je sais pas ce qui s'est passé ici, mais ça a pas l'air d'être... Encore une meuf qui a eu ses règles. Que je peux ouvrir. Je sais pas ce qu'il y a, mais je l'ouvre. Oh, c'est trop beau, ça brille. Alors ça, je sais toujours pas à quoi ça sert. Pick a lock of the adept class. C'est pas mal ça, non? Je peux utiliser tout de suite. Ça me donne un truc ou... Attendez! Ah, attendez! Putain, mais casse-toi! Va crever, sale rat, là! Attends, j'ai bien pris le bon. Ouais. Ah non, ok, j'ai fait de la merde. En fait, ça ouvre une... Bon, ok, je l'ai gâché. Ça ouvre une porte, en fait. C'est bien ce que je pensais. Bon, bah, j'en ai gâché un. J'espère que... Bref, bref. Ok. Je pense qu'on va manger un bout. Genre une carotte. Pour récupérer de la vie. Bien. Bonjour les rats. Putain, mais arrêtez ma mort, bordel. Vous allez me foutre là. Putain, il fait sacrément jour ici. Ah, j'entends des. Ah, bonjour. Yeah. J'aime pas trop les morts. Reste avec Marjou qui mange un Mars. Effectivement. Du sel. Le sel, c'est très important. Par contre, il y avait du pain là, j'ai pas rêvé. Du sel. Le sel, c'est très important. Pourquoi est-ce très important le sel? Car avec le sel, nous pouvons faire cuire notre viande. Et une viande cuite rend plus de vie qu'une viande pas cuite. Même si la viande crue, c'est meilleur. C'est pas très vegan ce que je raconte, dis donc. Je fais des coups critiques, mais par contre. Allez, le bloc, ma gueule! Ce bloc de l'infini! Allez, t'es mort! Viens là, viens là, viens là. Moi, je t'esquive, moi. Moi, j'esquive comme un dieu, moi. Bim! Vas-y, vas-y, venez, 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 venez. Ouais. Faites pas les malins, faites pas les malins. Ouais, t'es trop nul, voilà. Ça a des armes à deux mains, mais c'est lent, hein. Bravo! Oh, putain, toi, t'as une arme de main. Non, t'es pas là. Meurs, meurs, meurs! Ça, je prends, ça, je prends. Ça, je prends. Y'a pas un truc pour que je puisse faire à manger là? Y'a une clé en haut. Y'a une clé en haut, regardez. Ha! Ils ont cru que j'allais pas la voir. Sauf que moi, j'ai les yeux partout. Alors, mangeons! Mangeons du fromage! Pour récupérer notre vie. De manière passive. Ok, faut aller par là. What time is it? Ah ouais, j'ai la clé. Ha!
Faut que je vérifie. En fait, j'avance doucement parce que je vérifie les pièges. S'il n'y a pas des pièges au sol, je n'en ai aucun. Ouais. J'aime pas trop cet endroit. Hein. Oh putain. C'est quoi ça? Oh bordel! Oh putain, mais il m'est cher sa mère! Attends, faut pas que j'enlève ça. Peut-être que si j'enlève ça, c'est bon. Ok, non, Osef. Oh, attends, ça me met super cher ça. Attends, ça me met super cher, je me colle. Je me die. Ferme les portes. Je pense qu'il passe pas les portes. Ok, je récupère ma vie. Je suis considéré comme hors combat là. Ok, ok, alors attendez. Sauvegarde. On connaît ma. On connaît ma puissance en termes de combat, hein. Il y a un truc en dessous, j'arrive. Il y a une note en dessous, non? Clairement une note en dessous. Read. Order. Target. Ça me donne un. Ok, je le prends. Je sais pas pourquoi c'était là, c'est bizarre. Ok, allez, on y retourne. Je pense que là, j'ai une technique de combat assez incroyable. Mais en fait, c'est juste un système de défense, en fait. Faut juste pas que je m'approche de ça et c'est bon. Ouais, c'est juste un système de défense. C'était une sorte de piège. Choisir. Oh, il y a une porte. Open door. Faut que j'aille par là, je pense. Je vais quand même check ce qu'il y a là-haut. Ah, de l'argent. Je prends l'argent. J'ai toujours l'impression que si je prends l'argent, il y a des... Je sais pas, il y a des squelettes qui vont débarquer en mode tu as pris le trésor. C'était... Il fallait pas le faire. Mais en fait, non. En fait, ils sont battus. Ok. Ok. Ok, on descend, tranquille, tout va bien. Ok, il y a un truc d'alchimie, ok. Narmol. C'est quoi ça? Health potion, yeah. Du sel! Pardon, excuse-moi, il y a du sel, j'étais content. Ah, il y a des rats là-bas, regardez. Oh! Un truc, un livre de maître en alchimie. Ça, c'est pas mal, ça. Il est où? Mais où es-tu? Normalement, tu es censé être par là. L'argent des abonnés protégés par les squelettes. Quoi? Quoi? Il est où, mon putain de livre? Je sais plus où ils sont, les livres... Ah bah ils sont là, non? Ils sont avec... Enfin, je sais pas pourquoi, mais les livres de... d'apprentissage, normalement, ils sont rangés n'importe où. Je suis sûr il est là, mais j'arrive pas à voir où il est. Ah merde, alors. Bon, j'arrive pas à voir où il est. Là. Ha. Ok. Toi. Je me sens seul dans mon humour. Effectivement, là, j'ai pas de musique. Et là, ça va. Ah, t'avances pas, hein, t'es bloqué. Oh putain, ok, t'es pas bloqué en fait. En fait, ça va, t'es pas trop bloqué. What? Je crois que les rats dans cet endroit sont complètement buggés. Ok. C'est pas mal. Il y a beaucoup, beaucoup trop de corps ici. Vraiment beaucoup, beaucoup trop de corps. C'est très chelou. J'aime vraiment pas ça. Ok, on est arrivé. Donc là aussi, il y a un corps. Effectivement. Par contre, il y a de la viande, mais à n'en plus finir. Et ça, c'est trop cool. Alors ça, c'est vraiment inopiné. Je prends tout, hein. Putain, c'est trop bien, il y a de la viande partout. Des patates! Des patates! Des patates! What the fuck? Il se passe quoi? J'ai pas vu de la vie. Oh là là, trop bien. Le vin, je m'en fous. Oh là, il y a de la nourriture partout. Je suis trop content. Oh, la nourriture. Le seul moyen de récupérer sa vie dans ce jeu sans prendre de la fièvre arcanique dans la gueule. Non mais je vérifie tout par contre, hein. Je vérifie tout avant de... C'est bizarre un peu cet endroit. Parce que je sens que quand je vais déclencher le truc là, la quête, je sais pas quoi là, ça va... Je préfère tout récupérer avant.
Je vais ouvrir la porte aussi parce que j'ai peur. J'ai peur de me retrouver dans une mauvaise situation. What the fuck? Mais y a des... Bon, bref, allez, on y va. Ouvrir la cage. Elaria Barber Dodger. La fille du Barbie. Barber Dodger. Bon. Bah, Elaria. Attends, pousse-toi, Elaria. Excuse-moi, hein. Pardon. Pousse-toi! Il y a quoi dans ton sac? Pardon, excuse-moi, on va pas. Je vais pas pouvoir. Voilà, dégage. Merci. Une note et. Ah! Une perle! What? Il y en a une là! À la zub! Ici, comme ça! Note dans le corps. Il va se passer un truc ou pas? Il y a des saucisses! Oh! Oh bordel! Mais c'est la caverne d'Ali Baba ici en fait! Il y a des saucisses et tout! Partout! Quoi ce bordel? Je rêve ou quoi? Je rêve d'une saucisse. Attendez. Du coup, c'est quoi cette note? Alors, la note de l'accord. Erebi, I, Elana Barbera, confess my sin. Elle aussi, apparemment, voilà. Elle se confesse. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Il y a longtemps, j'ai tué pour de l'argent. Je me faisais appeler Black Widow. Trop marrant. Femme ou homme, vieux ou jeune, ça ne faisait pas de différence. Je n'ai jamais été inquiété pour mes crimes et j'ai toujours réussi à échapper à la justice. Je suis une créature désespérante, on va dire, sans sens, sans compassion. Je suis une femme morte vivante. Ok. Et mon existence n'a pas vraiment lieu d'être. Salut tout le monde, c'est cool de te revoir Nurva, à la prochaine. Merci Thomas, des bisous à toi et puis à la prochaine. Repasse quand tu veux évidemment. Maintenant, le moment de ma punition a commencé. Je suis aussi content. Ah, lui aussi. I am grateful for the bone judge who carried out my verdict. En fait, apparemment, les deux ont été jugés par quelqu'un qui leur a dit de faire ça pour purger leur peine, je crois. C'est bizarre. Alors, je vais. Ok, c'est bien ce que je pensais. En gros, elle s'est enfermée dans cette cage sans boire et sans manger, avec de la nourriture à côté d'elle pour la torturer en fait. C'est horrible, c'est absolument horrible. Et du coup, là aussi, il y a soit no. Donc ça, c'est avec toujours différentes écritures. Et du coup, à mon avis, en remettant tous les mots, ça va former. Est-ce qu'on l'écrit ou est-ce que ce qu'on va faire, c'est que alors YouTube. Je vais arrêter l'épisode ici, je vous fais des gros bisous. On se retrouve très vite pour la suite évidemment. On fait une petite sauvegarde des familles. Ce que je vais faire c'est que là, entre maintenant et l'épisode d'après, ce que je vais faire c'est que je vais écrire en fait sur un papier les mots pour voir si ça forme par exemple une phrase, si par exemple il y a les mêmes trucs. Et on se retrouve tout de suite pour la suite de l'épisode avec normalement la phrase peut-être écrite ou au moins une partie. Puisqu'on ira chercher du coup la troisième partie et bien dans l'épisode d'après, d'accord. Ciao YouTube, à plus. Bisous, merci à vous de suivre l'épisode. Ciao.